Allez, où? C'est toi le chef, hein, du coup. Ouais, bah je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être aller parler Allez, on avec se barre, hein. machin. Améliorer le nouveau Jack. Ça équipe pas Jack de ce que j'appelle le flash. Il aveugle et étourdit l'ennemi. Flash. Oh, c'est bien ça. J'ai que t'as une unité d'assaut, une capacité de soutien à la fois. Équiper une Du coup, t'as des capacité. compétences dans Gears. Oh oui, parce que t'as le truc qui vole là. Mais ça, je pense que c'est à toi de le faire, ça, non? Qu'est-ce qu'il me dit la console? Elle me dit que j'ai été supprimé du groupe. Attends, on est plus ensemble là? Je pense que si. C'est quoi ce bordel? Équipé. Tac. Fermé. Ah si, c'est bon. Améliorer le nous. Ah, faut l'améliorer. Je pense qu'on n'est pas du tout dans la même session, hein. Bah si, moi je te vois. T'es devant l'établi, il y a écrit Jajaji sur ton perso. Installé et équipé. Alors, comment ça marche? Je vais vous montrer, suivez-moi. Ah oui, ok. Je trouve un petit plan là derrière. Je vais lancer le test. What the... Alors, tester le flash, la nouvelle capacité du Jack, se saisir d'une arme, se mettre à couvert. Oui, les armes sont là-bas. Sur Y pour utiliser le flash sur l'ennemi. Oh, excellent. Comment ça, appréhender les cibles sans les faire? Essayer le flash, la nouvelle capacité de Jack. Bah, c'est fait déjà. Peut-être qu'il faut que tu le fasses aussi. Je peux rien faire, j'ai aucune interaction. Bah si, tu viens là, tu prends une arme. Tu prends une arme, tu te mets à couvert. Je peux rien faire aussi. Le problème c'est que là le flash on peut pas le réutiliser donc là j'attends. Je vais le faire une deuxième fois, c'est peut-être qu'il faut le faire deux fois. Va recharger aussi. Je vais rien faire ici. Ah ouais, c'est moi qui ai lancé le truc. Faut juste faire le truc au robot. Mais
Et là, j'attends qu'elle se recharge un peu. Comme ça, mes 10 plombes à se recharger, en fait. C'est cool. Dessus en plus. Je fais rien. Non. Je vais pas gilet, mais Jacques est plus grand maintenant. Je suis content pour vous. Mais je voudrais que vous reposiez vos armes sur l'atelier et que vous fichiez le camp. Maintenant. Ah, t'as marqué? Ah putain, mais j'ai même pas accès au truc. Capacité de Jack avec les bons composants. Avant d'aller voir Jean, passez par l'armerie. Et un autre composant, vous pouvez emprunter. Oh, ça, on n'y manquera pas. Bien, je vais pouvoir me remettre au travail. Ce que Limon veut dire, c'est qu'il a des choses plus importantes à faire. Merci, Iris. Faut kiffer les commentaires. C'est vraiment une des plus grandes qualités d'Iris. C'est bizarre, parce que c'est... C'est notre père, en fait. Ok, Baird. C'est pas notre père, qu'est-ce que tu racontes, gars, toi? On pas de soucis. C'est Baird, faites lui. Ce que vous avez à faire. Allez. Bah, ton père, c'est Marcus. Hé, hey, Faz. Alors, c'est comment d'être le larbin de Jean? Super. Ah, tu peux y aller. On peut pas tous partir. Oh, oh, mission secrète. Ah ouais? Et comment tu sais ça? Ici. C'est vrai, problème-le. Hein. Ouais, ok, mais moi, je ne veux surtout pas déranger pendant ton combat épique contre cette machine. Fin d'entraînement. Attends un peu, bâton merdeux. Bâton merdeux. Explique. Je sais pas. C'était une brosse à chiottes d'un nouveau genre. Ou juste un bâton fait avec de la merde. Ok, va te faire foutre. On va rendre les choses plus intéressantes. Toi et moi, en duel, maintenant. En quoi ça serait intéressant de te mettre une raclée? Oui ou non? Tu veux jouer? Quelque chose me dit que ce que vous allez mesurer, c'est la taille d'un homme. Peu bizarre quand même. Alors, je crois pas. Trop drôle. Alors c'est oui ou c'est non? Oh, c'est oui. Allez, mec, on récupère le module de Jack et on se tire. Non, ça va être drôle. Fils de... Alors, tu trouves ça toujours aussi drôle? Essaye encore, Faz. Allez. Tu sais quoi? C'était le pote qui s'entraînait avec toi. Mais il peut pas te battre. C'est pas dans son programme. Et ça explique... Ton excès de confiance. Et un tas d'autres choses. Tu veux un conseil, Félix? Merci, non. Jean a toujours eu ses chouchous. Mais il dure jamais. Tu vois, c'était drôle. Va te faire. Bon, allez. Maintenant que tu t'es bien amusé avec Faz, on peut aller chercher ce composant. J'en ai déjà marre et il est même pas midi. Feignasse. Voilà notre composant. On va l'emprunter. Peut-être tu joues qui, là? Le Renoir, toujours. Hein. C'est juste une question de durée. Voyons ce qu'il fait. Jack. C'est un maintenir pour le construire. Assurez-vous d'avoir suffisamment de composants. Sur le terrain. Essaie de cacher ta joie. On doit d'abord aller dans le bureau de Jean.
Ouais, papa a dû passer assez de temps en tête-à-tête avec elle. Soin, ce serait pas mal. Ouais, je lui ai mis le soin, ouais, je crois. Et je pense qu'il faut qu'on le fasse tous les deux. Je sais pas, c'est bizarre. Moi, ouais, je sais pas, il y a une interaction, mais ça fait rien. Mais du coup, apparemment, ils ont resympathisé avec la première ministre. Je comprends pas trop là. Ouais, je sais pas pourquoi ils sont dans le truc de la CGU. Bah ouais. Parce qu'on les voit pas rejoindre la CGU à la fin de. Okay, ou alors c'est qu'on aurait peut-être dû. On aurait peut-être dû regarder le générique jusqu'à la fin, je sais pas. Mmh. Peut-être qu'à la fin du générique, on voit qu'ils rejoignent le CGU, quoi. Parce que. C'est pas ce qu'on voit dans le 4, quoi. Après, je pense que... à partir du... du 2, l'histoire est un peu schnapps, quoi. Je sais pas. Je veux être parfaitement clair. En ce qui concerne cette arme... Coral. Je ne partage pas votre optimisme. C'est bien la première fois que quelqu'un m'accuse d'optimisme. Oui, soit. Mais je vous rappelle que votre femme était opposée à l'idée de réactiver le rayon de l'aube. J'aurais pensé que... Oui, parce qu'en fait, à la base, le rayon de l'aube a été utilisé pour éradiquer les locustes. Mais du coup, c'est pour ça qu'il y a eu des factions rebelles, en fait. Respecteriez la volonté d'Anya. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Ce sera mieux pour nous deux. Anya aurait voulu que... Je vous interdis de parler d'elle. Si c'est ce que vous pensez, je ne discute pas. Vous et votre saloperie de programme de fertilité. Un programme qui vous a donné un fils. Ainsi qu'à moi. What? J'honore Anya. Et j'aimais Anya. Oh. Peu importe que vous me croyez. Ou Anya, c'est sa femme. Quand mon programme en était à ses débuts, elle est venue me voir, en tant que volontaire. Les deux fois en tant que volontaire. Quand les gens ont vu que la ministre Strauss suivait le traitement, avez-vous une idée du nombre d'enfants qui sont en vie aujourd'hui grâce à elle? Elle aurait dû être enterrée ici, avec les Tout-Puissants. Les gens ont besoin de cette inspiration. Cette inspiration était ma femme. Madame la ministre, le lieutenant Phoenix et son escouade. Faites-les entrer. Lieutenant, on m'a dit que votre mission s'était bien passée. Écoutez, je peux vous expliquer. Je vous écoute. Expliquez-moi pourquoi Damon Baird m'a remplacé. Et pourquoi vous avez cru bon de vous passer de mon autorisation pour déployer un satellite du rayon de l'aube? La même longueur d'onde, hein. Lieutenant, le rayon de l'aube a fait plus de victimes dans nos rangs que la plupart des armées que nous avons combattues. Votre père est bien placé pour le savoir. C'est pas des armes dont je me méfie, madame la ministre, mais de ceux qui les utilisent. Cette phrase... Il est hors de question de réactiver le rayon de l'aube. Ah, ça doit être le rapport sur l'évacuation du camp numéro 2. Vous évacuez le camp numéro 2? Pourquoi? Il y a de l'activité dans le cimetière voisin. Voilà, pas vrai. Carmine, au rapport. Ouais, je suis là. Ouais. Carmine, là on ne vous entend pas bien. Envoyez la 4ème division. On prendra le commandement des renforts. Faites-le. Vite. Jeff, on approche. Où tu veux qu'on aille,
Kate. Attends, je fais une petite pause parce que tu vois l'intro que t'as trop kiffé sur Gears 4. En fait, c'est... j'ai regardé le lore et tout. En fait, c'est ils te mettent dans les guerres pendulaires. En fait, c'est à la base en fait. Enfin, on se bagarre sur une planète qui s'appelle Serra. Et ils découvrent une ressource qui est l'immersion, je sais pas quoi. Et en fait, ouais, du coup, dans l'intro, enfin, je pense que c'est ça en fait, dans l'intro du 4, on se bagarre et quand t'as le gros laser qui arrive, c'est justement, c'est le père de Marcus qui arrive et qui lâche son projet, tu vois. Après, voilà, je sais pas. Rien doit rentrer par la porte principale. Réalise que c'est moi le plus haut gradé ici, hein. Là, on rejoint Carmine au centre pour lui filer un coup de main. J'arrive pas à croire qu'on soit de retour ici. On faisait notre devoir. Essaie de passer à autre chose. T'es sérieux, là? Les gars, c'est pas le moment. Du coup, le perso que tu jouais, c'était comment Dom. Comment ça se passe dehors? Dom, il meurt dans le 2 ou le 3, je sais pas. Ah ouais, j'ai vu ça. Accrochez-vous! Sortez, allez, vite! Del! Cours! Dépêche-toi! Comment on fait pour me rejoindre? Bien, je pense qu'il faut que t'avances. Oui, bah merci. Appelle-moi con aussi. Peut-être là. Ouais, c'est là. Marcus Lastus. Marcus Lastus. Ah, bah, le fils à Marcus dans le cucus. Bah, c'est bon, j'ai trouvé l'endroit aussi pour me rejoindre. C'est entre deux planches de bois en fait. Toi.
Alors. Ah ouais, t'es coincé sous le truc. Ah putain, c'est pas loin. En fait, faut qu'on survive à cette phase, quoi. Ouais, je pense que je pourrais que te lever la poutre une fois qu'il n'y aura plus la vague. C'est qu'il y en a à gaver, quoi. Pour que je te rejoigne, il y en a à gaver, quoi. Comme j'ai pas beaucoup de balles, je les tue au corps à corps. Mais je sais pas si c'est le meilleur choix. What the fuck? Sérieux, là? Bah non, mais j'hallucine, quoi. Tu dépêches là-bas. Je te connais. Enfin, si je foire un rechargement, je suis mort en fait. Ah, ça me rush. Ah, putain. Tiens bon, j'arrive. Je suis pas loin. QTE ici, je l'ai pas vu. Ah, je jouais, du coup j'ai essayé de le niquer, mais comme t'étais en QTE, ça marchait pas. Incroyable. Merci. Putain, what? Bah, pire que le 4. Et il y a d'y avoir plus de trucs à looter qu'avant. Hein. Déjà, il y a des matériaux pour le robot. On va aller prendre les mules, là. Attends, c'est où la suite, là? Prêtez main forte à Carmine au centre. Mais bien sûr. C'est par où qu'on fait ça? Ah, c'était là en fait. J'ai pas l'impression, je pensais que c'était du décor. Ils ont changé un peu les binds sur certains trucs, parce que ça fait bizarre. Genre pour regarder dehors, c'est plus Y, c'est X. Pour regarder l'action. Oh putain, direct un gros comme ça là.
Victor est... a du recul. Hein. Ouais. Jamais eu, hein. Ah, voyons. Commence bien une fois de plus. Attention, ils sont plus rapides qu'ils n'en ont l'air. Delta terminé. Au max, hein. Oui, j'ai du coup j'ai eu un trophée de porter le Langzor de Marcus jusqu'au chapitre 5. Ah, t'avais changé ton arme avec lui? Non, justement le pas le faire tomber, quoi. Je voulais même pas le choper, quoi. C'est... On voit l'évacuation. Tout a tellement changé. Faut qu'on soit à deux là sur la porte, je pense. Faire une belote. Il est con, elle. La badassitude de ces Gears. Un snipe aussi en haut. Où? En haut. En haut. C'est Max, hein. Ulysse, pour la dernière fois, allez. C'est moi le plus haut gradé. Alors c'est moi qui décide si on a besoin de renfort. Ok, ok, je m'en occupe. Thank you.
Ah oui, il y a des snipers en face là-bas. À droite, il y a des snipers en hauteur. Allez, oh putain! Putain, j'ai failli prendre un robot sur la gueule. Attraper. Oh merde, un sion. OK les gars, j'en sors plus tard qu'il. Alors le sion. J'imagine que c'était la fin. Dans le 4, il y en avait assez vite, je crois, des sions, non ? Ouais, tu vas te calmer. Il meurt jamais quoi. Trop solide, c'est un truc de ouf. Allez dégage. Ouais. Putain, j'ai plus de 3 douilles de pompe. Son truc là. On l'a revu dégagé. Ah non, c'est un truc qu'on porte comme ça. Ouais, du coup, en fait, on a encore les amis de. C'est Ju. Ah, ils sont plus contre nous là. Incroyable. Putain. Intensité au maximum. Ouais, toujours aussi bon. Par contre, je comprends pas pourquoi du coup on est escorté par des robots. Bah parce que à la fin on finit bien avec les robots. À la fin du 4. Puisqu'on joue dans les gros robots de ouf là. Quelle phase d'ailleurs. Putain. Qu'est-ce que c'était bon. Ah, Carmine, normalement, il meurt. Ils ont besoin de vous au centre, allez-y. Vous pouvez passer par le parc, le portail est à côté des marches. Ok, vous l'avez entendu, on bouge. Gormax. Affront du
Corax. Ouais, ce serait bien d'avoir sur le stream quelqu'un qui connaît bien le lore et tout. La merde. Odell, il a pas terre à mourir hein, quand même. Il a tellement carry. Bah non, c'est le healer. Et c'est moi qui le joue. Alors. Tu sais, ça dérange peut-être pas de tuer des innocents, mais moi, oui. Des innocents, hein? Des innocents! Les gens qui lancent des bombes incendiaires seront des innocents! Je m'en souviendrai. Tous les deux, lâchez l'affaire! Attends, j'ai entendu parler de ça. C'était vous trois? Pas nous trois. L'un de nous a réussi à garder le contrôle de ses nefbots. Qu'est-ce qui s'est passé? On a identifié un élément rebelle et on l'a éliminé. Non, toi, t'as ouvert le feu sur des manifestants. Des fois, faut purger le troupeau. T'as pas un coup de vieux, Cole, hein? Je sais qui je purgerai dans ce troupeau. Voilà, vous êtes trop aimé, hein, James. Ouais. Le centre est juste devant. Il faut se dépêcher si on veut aider Carmine. Carmine, il est pas mort. Bon, on passera pas de ce côté. Non, ça c'est une certitude. Ah, les composants, ça les loot tout seul, il les pose pas par terre, pardon. Donc, Bordel, la vermine détruit aussi nos condors. Ouais, je parie que c'est ce putain d'herma qui l'a abattu. Chaque condor abattu, on perd des renforts. Par ici, il y a un passage. Un écumeur. Merde. Si ce truc atteint le centre, Carmine est foutu. C'est excellent parce que là, ça rappelle vraiment la fin du 4, quoi. L'overkill, ils l'ont modifié, ils tirent deux fois. Une fois quand t'appuies, une fois quand tu relâches. D'accord. Je faisais pas ça. C'est flingue, hein. Bon, il était déjà OP, hein. Je pense qu'ils veulent l'être encore plus.
Ça te les met aussi les composants quand je les trouve à chaque fois là? Non, je pense pas. Non. Ils sont individuels. Carmine est joignable. C'est la suite, ça. Ouais, vous êtes déjà tous là-bas. Vous. On peut rentrer là. Ah, on va entrer. Aide-moi. Je suis looté. Ok, Carmine devrait se planquer dans cette cour avec les civils. On va leur montrer à Cyberpod. Nettoyez-moi la place. Bon boulot. Mes autres ennemis se dirigent vers vous. Hey, notre kit de largage est toujours disponible. Alors profitez des lanceurs de merde. Wilco, protège les civils. On gère la situation ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, des lanceurs LG. Bordel, mais où est-ce que Père trouve le temps pour tout ça? Allez, serre-toi pendant que c'est chaud. Alors ça... C'est de la balle. Ils arrivent! Allez Delta, on va les allumer! Ah, il y a un lance-patate dessus. C'est bien. C'est pas vraiment un lance-patate. Mais du coup, on a plus la tronçonneuse après là. Ah, il se recharge tard. Ils se rechargent super tardivement là.
Tu vas arrêter de courir deux minutes là. Mais what the fuck? Putain, ces armes là, elles ont un lance patate, mais elles mettent trop de temps à se recharger. Donc les munitions là, j'ai fait une espèce de carnage ici. Ils arrivent par le côté droit. Overkill, fait péter. Voilà, c'est mieux. Pour insister, incroyable. Hein mmh, impec. J'ai l'impression de continuer le 4. Ça promet pour la fin. Certains ils portent des casques sur la carte du coup pour les tirs dans la tête. Hein. Fin du... Fin du cul. Tiens.
rond. Encore un. Et au milieu. Je crois qu'il va remonter vers nous. Je vais reprendre à longueur normale parce que... Finalement je préfère. Je peux le recharger plus vite quoi. What? Il est vraiment gros et moche celui-là, hein? Je sais pas si je pourrais pas le toucher avec la tourelle là. Viens par là mon gros! Tu crois que tu fais peur? Je suis prêt de ça. J'ai pas peur de toi, enfoiré! Dans la merde. Il a l'air d'être complètement bugué. Je sais pas ce qu'il fait. Il est complètement bugué. Bah écoute hein. Ouais, ils ont son bug. Termine, la place est sécurisée. Continue l'évacuation. Bien reçu, Delta. On sort. Ah, bonne petite phase. Hein. Ok, les évacués, écoutez-moi. Montez vite dans les minotaures. Aucun effet personnel. Aucun bagage. Eh, des sourds. Pas d'effet personnel. Carmine. Waouh. Vous avez sauvé beaucoup de monde aujourd'hui, sergent. Ah, le tueur de larves est de retour, les amis! Tueur de larves, tueur de vermine, tu parles. Oh, secouru par mes anciens élèves. Au fait, Clayton! Ouais, et maintenant, va falloir que je me relève. J'étais sans nouvelles. C'est barbu, lui. À m'inquiéter. La radio a lâché. Et ces gars m'ont sorti de cette galère. C'est la deuxième fois que je dois vous remercier, Phil. En fait, le perso que tu jouais, c'était Tom. Non mais je te parle pas de ça, mais je parle le mec là, qu'on est en train de parler avec lui, là, c'est le barbe du 4. Qu'on voit à la fin du générique, là, qui ressort du ventre de la bestiole. Si je sais pas. Allez, tirez. Je crois. Que Tom, en fait, il meurt en sauvant ça. Oui, mais je sais ça. Et là, Clayton, là, je te dis, il me semble que c'est celui qui... Le barbu qu'on voyait là, qu'on appelait Tonton dans le 4. C'est Carmine en fait, je sais pas. Il y a un délire avec ce personnage. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est lui qui étonne. Bah, c'est encore plus incroyable. Ah, la mise en scène est toujours aussi bonne. Ah, ouais, de... Je dois contenir de la technologie de spray. Ok.
Tu reçois un boost d'armure temporaire, s'applique à tous les équipiers à porter en coop. Seul le joueur incarnant Jack peut équiper ou améliorer Jack. D'accord. Ça fait une belle jambe. Avec cette amélioration, Jack peut nous booster pour qu'on traverse les flammes. Ah, d'accord, ok, ça va nous servir à traverser les flammes. Ok. Alors, appuyez sur Y pour que Jack utilise l'esprit sur vous. Ça roule. Allez, go, go! Eh ben, c'est la pêche. Ah, le gros flingue là. Sécurisation de la zone. C'est clair qu'il y a une puissance phénoménale. Ah, tu peux zoomer avec le flingue? Ah, ouais, c'est un faux zoom. C'est bizarre. Mais c'est vrai qu'il est puissant, quoi. C'est un mini fusil à pompe. Hein. Attends, c'est où la suite? Là-bas. Bon, faut leur utiliser le truc pour passer. T'es prêt? What the fuck? Ah putain, il y a du snipe. Ah mais il y en a qu'un. La vermine est partout. N'arrive pas à jouer au contrôle. Ah, quelque chose détraque la radio. Tu me reçois, Kate? On a été séparés de Cole, Paz et Carmine. Si tu veux un snipe, il y en a... Ah, tu l'as pris? Ah non, il est là. Là-bas. Si tu le veux. J'ai des vies en coupe à travers l'hôtel. Ah, du coup, c'est pour toi, hein, le snipe. Bah ouais, mais du coup, là, comme ils mettent des... J'ai le gros fusil à pompe, là, des mecs, là. Donc, comme on peut avoir des munitions maintenant, je le prends parce que bah, tu vois que tu l'as pris aussi. Il est super efficace. Hein. Quand tu veux rusher au corps à corps, pour ça, moi je vais le garder quoi. Tu veux rester sur le snipe
Bah non, justement, je te dis, je vais rester sur le pont, moi. Attends, comment on y va, là? C'est sûr, c'est... Oh, le pont, il est trop bien, quoi. Au fond, là-bas, peut-être? Eh oui. Ah, tu peux te servir de ça aussi. D'accord, du coup je peux là, le garder en main. Ah, ça c'est cool. C'est cool qu'ils aient fait ça. Je vais rentrer dans la porte là. Une grenade de choc là. Core max. Ah ouais, tu peux garder, faire des moves et garder ta grosse arme de ouf quoi. Putain, c'est trop cool ça, qu'ils aient fait ça. Parce que c'était chiant dans les zones d'avant. C'est assez violent quoi. Deux, là. On y va, occupe-toi de la porte. Ça va, je garde mon truc. Putain, hey Jack, éclaire-nous. Ouais, ce serait bien. Ah, Jack, éclaire... c'est... il éclaire mieux que l'autre, hein. Bon, je préférais avec les lampes. Même. Bien reçu, Lizzie. Bonne chance. Je vais te laisser passer devant parce que... Tiens, moi je vois rien. Hé, hey, attends. Ah, beaucoup rugueux. What the fuck, ils en ont rien à foutre des roquettes quoi. Attends, relève-moi vite fait. Je suis presque mort. C'est une blague ou quoi? Cette blesse qu'on t'en parle neutraliser les dépotes. Elle est contaminée. Putain de merde. Il a complètement détruit mon arme, quoi. Ok, super. Après, j'avais peut-être pu me dire. Sans de ouf, là, gaffe. Mais. Bon, il n'y a que des exécuteurs par terre. Fais gaffe, il y en a un à gauche. Hein. Non, on peut pas passer de l'autre côté. Je vais essayer de m'en rapprocher comme ça. Thank you.
Tinko. J'ai un bloc de sang de ouf. Ah bon? C'est-à-dire? C'est quoi le follow? Ah putain de hasard. Là je peux pas jouer en fait, j'ai un bug de son. Incroyable. C'est quoi, ouais, du coup, ton bug de son? C'est que... Oh, putain. Ah, ça fait du bien. C'est qu'il y avait un truc qui... Comme un truc qui explosait, mais en continu. Ah ouais? Ah merde. Attends. On l'entend. Ah, du coup, je relance, là, tu vois. On l'entend encore. Ah, bah, relance la phase, au pire. Tu vas pas rester avec un bug. Hein. C'est comme une explosion, mais on continue, quoi. Ça fait ouais, pas, moi, pas, j'ai pas, bien pas, compris, pas, mais tant pis, relance. Hein. Tu vas pas rester avec un bug de son pour, pour dire on passe au checkpoint, quoi. Il est peut-être pas loin, le dernier checkpoint, on va bien voir. Alors, oh bah c'est là, juste avant. Tu vois, c'est juste avant. Ça va, j'entends, j'ai pas de bug. Alors, on espérait que ça va pas te le refaire. Bon, ça m'a fait lâcher la grosse arme là, mais attends, nous on venait de là, je crois. Et puis moi j'avais le Langzor full quoi. Ici il y avait un collectif, je sais pas si. Ah non, c'était le fusil à pompe. Ok, on est là. Après il y a peut-être moyen d'en faire d'autres discrètement. Sans se faire voir par celui qui est à gauche là. Faut voir. Peut-être moyen. Ah ouais non, il y a celui-là qui est là. Non, après faut partir sur de la castagne. T'es prêt? J'ai pas grand chose hein, mais bon. Ouais, je suis prêt. Les autres se sont pas excités. Assis à l'autre bout là-bas. Attends, on va voir s'ils se calment. Les autres, tu vois, ils sont à moitié alertés, quoi. Il y a peut-être moyen d'en faire d'autres après, discrètement. On va laisser venir ceux qui sont au taquet, là. Le gros, c'est là-bas, en fait. C'est dans le... Là, il y en a deux qui arrivent, là. J'ai plus que 4 balles, hein. Ces enfoirés, parce qu'ils nous mettent que des exécuteurs et puis des machins là, des KO Max. Là j'ai une arme plus simple. Bon, j'ai plus qu'une douille dans l'overkill.
Attends, parce que là-bas, ils sont groupés. Je peux les mettre une douille, mais dans le... dans le fion. Vous voyez toutes mes greux. Non, c'est bon. Il est mort, je pense. Et ça en a tué plusieurs, mais il y en a d'autres qui arrivent, hein. Il en reste plus. Je suis l'exécuteur. Essaye de rester sur la gauche parce que sinon tu bloques mes tirs en fait. Donc on en est pas mal hein. Bah, je pense qu'il en reste un. Il est caché où? Ouais, il y en a un au fond qui est bloqué. On peut peut-être le prendre par derrière le. J'ai un snipe. Ah merde, il y en avait deux là. Je t'ai mis de balle dans le cul. Non. Eh ben. On doit atteindre le terrain. Pas évident, hein. Non. Pour un début de jeu. Bon, ça va encore. On a eu plus chaud que ça sur les autres. Hein. Enfin, quoique, non, le début, c'est à peu près équivalent. Hein. Oh, c'est chauffé, quoi. Rejoindre Kate et Marcus au théâtre, traverser l'hôtel, passer les parasités. Okay. Bon, j'ai aucune mine de... aucune arme. Hein. Ah, j'ai 325. Par contre, j'ai plus de douille de... Je suis au pistolet, quoi. Le machin. Bah, dès que je croise des mines, je te le dis. Bon, je suppose que tu veux pas l'exécuteur. Bah c'est là, ici, c'est la... ici du Lander. Bah, j'en prends. Hein, mais... Là. Ah putain. Alors monsieur, il y a un problème là visiblement. T'es mignon. Loin de Kate et Marcus au théâtre. Ah, ouais, faut sortir en bas là. Au prochain passage de chapitre, on fera une pause. Sûrement après l'hôtel. Bon, les parasités, c'est fait. Apparemment, il n'y en aura pas d'autres. Des mules ici. Allô? Ah. Ouais, j'arrive. Et sur ton stream, je te voyais monter. Ouais. Je voulais voir s'il y avait un truc. Bah, ça doit être la suite, en gros, je pense. Je vois des trucs clignoter, donc. Il va y avoir du loot.
T'as combien en munitions là? 319. 219? 319. 319? Ouais, je suis à 325, je vais prendre celle-là. Il y en a d'autres ici là. C'est pas vrai. Impossible par là. En face de moi. Bon, du coup, t'as un truc aussi ici. Un magasin de jouets, je sais pas quoi. Ouais, mais viens chercher le chargeur là, ici là. Parce qu'on sait jamais s'il y a une cinématique. Là. Parce que ouais, la suite elle est là. Ok. Mmh. Ah oui, Et là, il y avait rien. Non, il y a rien. Ah oui, c'est vrai qu'on peut aussi, si on voit quelque chose au loin, demander au robot d'aller le chercher, c'est vrai ça. On va sûrement louper des trucs comme ça. C'est quoi la touche? Tu vises et après tu fais X. De toute façon, ça te le marque. Quand tu vises, s'il y a un truc à ramasser, ça te mettra d'appuyer sur X. Ok. T'es bon? Negus first. Oh, j'ai fait pire ban. Bah un prank quand même. Merde, j'ai loupé. Sulfateuse là, hein. J'avais pas eu dans l'action. Ils font chier avec leurs exécuteurs de merde là. On a dans le délire robot quoi. Ouais, mais là ils sont infectés quoi. C'est quand même plus sympa comme ça. Ils vont peut-être nous faire le même coup que dans le 4. C'est chiant, mais ça va monter, quoi. Ouais, peut-être. Putain, y'a que des exécuteurs? Du coup, la suite, c'est ici, je pense.
je te laisse ouvrir. Attends, il y a peut-être des mules en hauteur. Il n'y a rien qui brille. Non. Bien, par ici. What the fuck? Ah, tu vois qu'il n'y a pas que des robots? Mauvaise langue. Les sangsues. Trop bien. Ah! Attends deux secondes. James, tu me rejoins? Bien sûr pas, 5 sur 5. Faites gaffe, cette espèce de nuit est constituée de sangsues. Ouais, on sait. Elle détraque nos communications, les berges en ruine, les squads dédiés et les tours radio. On est dans le théâtre, vous êtes loin? On est juste à côté, on se dirige vers vous. Désolé si j'avais un voisin qui était venu frapper. Il voulait quoi? Que j'y branche sa box internet. Bon, je lui ai dit, je suis occupé. Il y a un sniper là, si ça t'intéresse. Derrière le bar de la réception. Si jamais ça t'intéresse. Bah du coup si je le lâche, est-ce que tu veux jouer au sniper là? Lâcher quoi? J'ai un... Ah le snipe? Non non, je te dis, moi je reste aux pompes, hein. il est bien l'overkill là. Voilà, j'ai pas retrouvé d'autres munitions mais... Je le jouais pas sur le 4 et sur le premier parce que on trouvait jamais de munitions quoi. Mais là on en trouve donc. Bon, je t'attends à la porte hein, dès que t'es prêt. J'arrive. Voilà. Par contre j'ai pas beaucoup de douille moi. Pareil hein. J'en ai trouvé 8 d'overkill, j'ai 139 sur le Lancer. J'ai pas raté un truc, bon. J'ai amélioré le robot là sur son électro-laser. Il faut y aller.
Putain, il y a du vendeur ouais, LG, putain, il fait chier. Quoi. What the fuck? Bon, ce qui est bien, c'est que les robots, ce coup-ci, sont avec nous, quoi. C'est bien. Pas de munitions, quoi. Pas qu'ils traînent aussi, là. J'essaie de trouver des munes parce que j'ai vraiment pas grand chose. Ah oui, c'est overkill. C'est pas cette petite bagnole là. Allez à mon souvenir. Ok, c'est bon. Wow. Alors trouvez Marcus et Kate. Le lâcher ça. Je vais le garder dans les mains alors si je peux pas l'enlever. Putain, faut chier avec leurs exécuteurs. Hein. Ok. Attends, ici il y aurait pas des mules là dans le café là. Déjà de vidéo là. On se rend pas compte là quand on est à fond dedans, mais ça tourne. On avance quand même. Bon, je trouve un peu de mun. Mais bon, c'est pas folichon quoi. Ah bah voilà comment je fais pour le lâcher. Il y a un sniper ici, je sais pas si tu l'as vu. Là où je suis là. Non, j'ai pas vu.
s'appelle Jess. Jess Stratton. Il jouait pas dans la pièce qui passait ici. T'en fais pas pour lui. Jess peut se débrouiller tout seul. Ah, bien vu. R.A.S. ici. Venez, allons voir la scène. Prochain chapitre, je ferai une pause pour aller manger. Ça marche. Hey. Ça va? Pourquoi il me met ça comme ça? Non, c'est bon, allons-y. Il y a des grenades ici, hein, si t'en veux. Ah, du coup, toi, il m'a mis un genre d'appui, mais t'as envie d'y aller vraiment ou pas? De quoi? Quand j'ai appuyé sur la porte là, ouais, il m'a dit il y avait une option implicite. Ah oui, d'y aller ou pas, quoi? Ouais. Bah, c'est pour être sûr qu'on est bien fouillé. Mais je te dis, au fond, il y a des grenades, mais si t'en as, sinon c'est bon. Au fond du couloir, là, en face de moi. À droite. T'as des grenades si t'as besoin. Non, dans le couloir. Ouais, là. Plus loin. Droite. C'est bon? Ah non, j'ai pas vu de grenade. Mais... Là, c'est moi. Ok. Let's go. Bon, je vais faire un petit pipi avant d'ouvrir la porte. Et je reviens. Vas-y. Heureux. Let's go. C'est parti.
sont peut-être sortis. Faudrait ouvrir ce rideau. T'as des balles ou pas? Non, pas du tout. On a ici un chargeur. Ici, derrière le truc, là, bien planqué, là. Et toi, au bout? De l'autre côté? Tu le sais, ça? Bah, je l'ai vu. Avec mes yeux de lynx. Mes yeux de lynx qui voient rien. Là, t'as... Bah, attends, j'en ai que 226. Moi, je vais en ramasser un peu aussi. La suite est là, non? Fouiller le théâtre à la recherche de civils. Il y a un truc à activer là. Je les cancel. Où ça? Ici là. Là où je suis. Vas-y. Ok. Ça va ouvrir les portes. Hein. Allons. Ah. Bonsoir. Ça sent le boss. Putain, c'est les gros qu'on incarnait à la fin ça, non? Non, peut-être pas, non, c'est plus le coup. Restons discrets. Musique. Oh. J'enlève le rechargement automatique parce que des fois je capte pas que ça recharge tout seul et du coup je foire le rechargement.
C'est quand même un peu de la merde, hein. De quoi? Alors, Paragears 1. Bon, ça va, moi. Un peu surpris, quoi. Surprise, pour moi. Merde, le groupe du théâtre est mort. Mais Cole, Faz et Carmine, où est-ce qu'ils en sont? Il n'y a plus rien dans les chiottes. C'est Delta, je vous capte mal, on est dans le théâtre. Répétez. Vous devez sortir de là, petits, abandonne le camp. On peut pas servir du rayon globe? Attends que j'arrive pas à viser correctement, retournez à la porte principale. Merde, on est coincé à l'autre bout de la ville. Lizzie, était là, affirmatif. J'ai été au moins 10 fois, je peux vous récupérer. C'est super, on t'attend. Jack. C'est tellement long à se recharger le flash. Si vous voulez
sérieux. J'ai plus de mieux là. Il y en a dans la cour, mais ça va être compliqué d'aller les chercher, ça. Tu ne restes pas flashé longtemps, quoi. C'est derrière là. Putain, on peut pas. Aïe 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 aïe. Ah putain, je des visages familiers. C'est peut-être le manifestant pacifique qui m'a pété le nez. Tu méritais bien pire qu'un nez pété. Allez, vas-y, montre-moi ce que je mérite. Stop ! Arrêtez vos conneries ! T'es qu'un putain de lâche ! Un lâche ? Waouh ! Attends, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Phase. Non. Devine qui a donné l'ordre de tirer en premier, Edel. Sur tes soi-disant manifestants pacifiques. Ouais, exactement. C'est votre monsieur parfait, là. Les gars... C'est un flûre, là. Les gars, écoutez. Ces types nous lançaient des grenades. La situation était chaotique, c'était pas prévu. En tout cas, pas comme ça. Bip bip, à la cavalerie. Oui, d'accord. En fait, l'autre, c'est une grosse merde. On en discutera plus tard. On se casse. Après, entre Dell et James, je vois pas qui a fait n'importe quoi. Mais... Ouillez-vous ! Je tente de sortir ces gens d'ici. Oh, shit ! Le rayon. À tous les camions, reculez. Merde, merde, on va perdre le convoi. On a besoin du rayon. Vous avez quoi? Il est prêt à tirer, non? Attends, j'ai même pas les coordonnées. Alors, vise-moi. T'es dingue ou quoi? Peut-être. Bernd, on dirait le père de Marcus. Non, oublie ça tout de suite. Non, Bernd, c'est son coéquipier dans la... Ouais, il a la même gueule que...
Le père de Marcus. James, tire de couverture, les gars. Ah, moi je l'ai vu qu'en cinématique, le père de Marcus, mais du coup j'ai pas fait gaffe. Merde, j'y suis bientôt. Tiens-toi prêt. J'aime pas ça du tout, petit. Cacrel, justement, le... Oui, c'est, je vois qui c'est, le père de Marcus. Ils ont pris ça sur toute la surface de la Terre. Du coup, t'as... Bon, on a revu le... l'histoire de Gears. T'as l'impression que tu reviens au début, en fait. C'est la même chose qu'ils avaient fait au début. Alors, qui est-ce qui avait raison ? Bon, c'est le rayon de l'aube partout. Iris, éteins-moi ça! Éteins! Oh bordel! Casse-toi! Mais il en souffre quand même. Là, c'est l'intro. Ah ouais, c'est charmant. Bon, on va retourner sous terre, je pense. C'est ta migraine, c'est ça ? Écoute, je vais bien. Il veut pas vous voir. Et si on le laissait décider ? Oh, mais il a tort. Je vous en prie. Les armes de la CGU sont interdites. Donnez-les-nous. Vous savez qui était mon père et qui était ma mère? Et c'est vous qui portez l'armure de la CGU. Allez comprendre. Vous pouvez toujours rêver. Tel. Fais ce qu'ils disent. Très bien. On vous les rendra quand vous sortirez, d'accord ? Ouvrez-leur ! Voilà, du coup, je connais pas du tout la suite. Il est à l'arrière, près de la ferme thermique. Essayez de ne pas vous faire remarquer. Ça dépendra de lui.
Bah, c'est un bon moment pour couper ça. Ouais. Je suis calme. Donc tu joues Kate. J'ai convaincu un paquet d'étrangers de se battre aux côtés de la CGI. Et là, j'ai l'impression que ce sera pas du tout la même histoire. C'est joli, hein, putain. Ouais, grave. Ouais, je pense que c'est le bon moment pour faire une pause. Ouais. Là, je vais couper la vidéo. Je suis presque à 2h.